Bien, bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Lastimusien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment assez spéciale car c'est le retour des ouvertures de paquets World of Warrior. Donc si vous n'avez pas vu les, je crois, 9 premiers épisodes, je vous conseille littéralement d'aller les voir car en fait c'est le début, tout simplement le début de cette saison où on ouvre des packs avec toujours le même Super M22. Il y aura peut-être une petite apparition à un moment ou l'autre de Code Driver 88, mais pour le moment... Voilà, on reste Millie et moi sur Millie, alias Super M22, Millie et moi donc sur cette ouverture de paquet. Et aujourd'hui, épisode numéro 10, il me semble bien, ou alors je changerai tout dans le nom de cette vidéo, où on va comme d'habitude ouvrir 5 paquets. Donc là on voit pas très bien parce que je filme avec une caméra assez spéciale, exceptionnellement. Mais donc on va ouvrir 5 boosters. Chez World of Warrior, donc on fait un petit peu rapidement le tour du truc. Donc voilà, la marque Tops. Voilà un paquet assez basique avec derrière, on va pas vous le rappeler, mais tout ce qui est pour voilà, je vous laisse mettre sur pause parce que là j'ai pas envie d'expliquer, donc on va tout de suite partir sur cette ouverture de paquet. On se souvient très bien que c'était assez compliqué d'ouvrir. On commence par Zengis. Voilà, carte correcte. Ensuite, Worm Slime. C'est des cartes qu'on a pour le moment pas encore eu. Ah là on a quelque chose. Une carte quête talisman. Ici on a Brutus, je crois qu'on l'a déjà. Et pour terminer, Amadok. Voilà. Donc, aucune carte rare dans ce booster. Bon. Voilà nos cartes, je les mets de côté. On va tout de suite ouvrir le deuxième booster. Allez, excellent. Allez, on va essayer de garder ça. Alors ici on a Aloy, qui est une carte pas mal. Correct. Alors, on se souvient des cartes à l'envers. Tiberius et... Ah là là, je la sentais venir celle-ci. Et en plus, on ne l'a pas. C'est Zou. Voilà. Une bonne carte. Alors, je ne sais pas ce que c'est ça. Il me semble qu'on ne l'a jamais eu. Vous voyez ce petit logo-là? Je ne le connais absolument pas. Ensuite, on a Osgood. Voilà, on l'a déjà. Et pour terminer, Crixus. Voilà, alors bon paquet. Vite fait, mais je vais mettre de côté la carte. Alors... J'ai pas très bien vu, mais en fait, ce n'est pas une carte dorée. Hein. Là, j'arrive pas très bien à voir, mais non, ce n'est pas une carte dorée. C'est une carte argent. Donc, ce n'est pas une carte or. Donc, pour le moment, aucune carte or dans ce paquet. Bon, on continue. Allez, donc, on a ici une carte aussi qui est pas mal. Boudica. Oula, attendez. Maximus. Ok. Ensuite, Red Blade. Celle-ci est stylée. Celle-ci est vraiment pas mal. Regardez. Celle-ci est une belle carte. Et on a ici une carte en argent. Donc voilà. Donc il y a de nouveau ce logo. Voilà, Ironheart. Et on a Ravi pour terminer. Avant-dernier booster. Donc on a ici un petit flyers. Attendez, je vais vous montrer ça. Un petit flyers qu'on a... C'est pas dans toute... Alors ça, je sais pas vraiment. Le flyers, c'est pour... C'est peut-être pour les règles. Alors, on a Aloy. On a ensuite Clovis. Une carte... Et vraiment pas mal, une carte en argent, donc Morinder, Nogo, ah celle-ci est stylée aussi, je ne sais pas si on l'a déjà. Et pour terminer, Everard. Allez, dernier paquet les amis, j'espère que ça va être quelque chose de correct. Allez, c'est parti. Donc on commence par une talisman, jeton du phénix.
Ensuite, Abu, une carte qu'on a souvent. Zazan. Léon. Et Naro. Bon. Un des paquets pas très impressionnant. Bon, on va faire un petit récapitulatif. Voilà plus ou moins le paquet que ça nous donne quand on fait 5 boosters. Donc on en a en tout 50. Hein. Ça fera plus ou moins. Donc si un épisode on ouvre 5. Ouais. Ça devrait plus ou moins faire 25 épisodes avec les combats. Donc on va trier un peu tout ça. Donc on a eu 3 en argent. Je pense que c'est correct. D'après mes souvenirs, donc 3 en argent. Et le reste, des cartes des cartes normales. Voilà. Donc pas de cartes en or pour cette ouverture de booster épisode numéro 10, il me semble bien. Donc voilà. C'est donc la fin de cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et voir le dernier épisode donc, sur cette série World of Warrior avec Super M22. Sur ce les amis, je vous dis à plus et à très bientôt. Bye bye.